comment avoir un corps plus attirant. L'objectif numéro 1, ça va être de développer une silhouette en V. En effet, c'est la caractéristique de tous nos super-héros préférés, les épaules larges avec une taille fine. Malheureusement, la génétique va un peu jouer, parce que naturellement, tu vas avoir une silhouette en V ou pas. Mais c'est ton rôle et ta responsabilité de la développer, et si tu l'as déjà, de l'accentuer. J'ai pas une très bonne génétique et je me suis quand même démerdé. Les deux groupes musculaires les plus importants, ça va être les épaules et le dos. Et plus particulièrement les dorsaux et le faisceau latéral. Mais pas si tu veux, je t'ai mis quelques exercices pour les bosser. En numéro 2, tu vas devoir être plus sec. Comme je vais te le prouver avec cette vidéo, un physique plus sec sera plus tracé et plus agréable à regarder. Ça, c'est en ce qui concerne les changements qui vont mettre du temps. Et là, je vais te présenter des changements qui peuvent être immédiats. En numéro 1, redresse-toi et fixe ta posture. Arrête d'être courbé, c'est une mauvaise habitude que t'as prise et même moi je l'ai. Et j'ai encore du mal à m'en débarrasser, mais j'essaye de la changer. Fixe tes épaules en arrière, ouvre le torse et garde la tête droite, tu paraîtras beaucoup plus confiant. Ensuite, porte des vêtements qui sont adaptés à ton corps et qui te mettent en valeur. Ne mets pas des vêtements trop oversize ni trop serrés. T'as pas envie de ressembler à un gros sac et encore moins à un aliment sous vide. Et pour finir, porte des accessoires, c'est vraiment ça qui va te différencier des autres. Que ce soit une montre, des bagues, un bracelet, une chaîne, des lunettes, une casquette.